Cette fille est toute ma peine, car enfin, je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, une tristesse épouvantable dont il n'y a pas moyen de la retirer et dont je ne saurais même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit. J'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Ah, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Je vous garde. Bonjour, Manie. Eh bien, qu'est-ce? Comment vous en va? Eh, quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela. Et tu ne peux même pas me dire ce que tu as. Allons donc, découvre-moi ton petit cœur. Là, dis. Des petites pensées à ton petit papa mignon. Courage! Veux-tu que je te baise? Viens! J'en rase de l'avoir de cette humeur-là! Mais dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir? Et ne plus savoir que je suis de grande langueur? Découvre-moi la cause, et je te promets que je ferai toute chose pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse. Je t'assure ici, et te fais serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. C'est tout dire. Est-ce que tu seras jalouse de quelqu'un de tes compagnes que tu trouves plus brave que toi? Et serait-il qu'à 14 nouvelles, tu voulais savoir un avis? Est-ce que ta chambre ne te semble-t-elle pas assez séparée et que tu souhaiterais quelques cabinets de la France Saint-Laurent? Aurais-tu envie d'apprendre quelque chose? Et souhaiterais-tu que je te donne un maître pour te montrer à ce que tu ça? Aimerais-tu quelqu'un? Et souhaiterais-tu d'être marié? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille? Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Non, c'est une toute coquine qui vous fait enrager. Oh, monsieur, laissez-moi faire, je m'en vais la sonder un peu. Ce n'est pas nécessaire. Et plus sérieux cette humeur-là, plus t'as dit qu'on y laisse. Ah, monsieur, laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous.
menacer tout le monde. Il me semble qu'on n'agit pas comme vous le faites. Et que si vous avez quelques répugnances à vous expliquer en faire, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Souhaitez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter. Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Et les promenades et les cadeaux ne tenteraient-ils point votre âme? Avez-vous reçu quelque du plaisir de quelqu'un? Avez-vous reçu quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous marie? Oh, que diable, voilà la fête! Pourquoi tant de façon? Monsieur, le mystère est découvert! Ah! Tiens, Pat, je ne peux te parler et je te laisse dans ton obstination! Mon père, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la chose? Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi! Oh, monsieur, sa tristesse! C'est une coquille qui veut me faire mourir! Mon père, je veux bien! Ce n'est pas la réponse d'avoir élevé comme je l'ai fait! Monsieur! Je suis contre elle, dans une colère épouvantable. Mais mon père... Je n'ai plus beaucoup de rêve pour toi. Mais... C'est une friponne. Mais... Une ingrate. Mais... Une coquine qui ne veut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari, quelque peu. Je l'abandonne. Un mari. Je la déteste. Un mari. Et la remonte pour ma fille. Un mari. Non, m'en parlez point. Un mari. M'en parlez point. Un mari. M'en parlez point. Un mari. Ah. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tant de cacher mon déplaisir et je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de me faire. Tu le vois? Pas de ma foi, voilà un vilain. Et je vous avoue que j'aurai un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Hélas, de quoi m'aurait-il servi de le découvrir plus tôt? Et n'aurais-je pas mieux fait à le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je ne suis pas à fond pour les sentiments de mon père? Et que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a demandé par un ami n'est pas en mon âme et tout fait toutes sortes d'espoir? Quoi? C'est cet inconnu? Peut-être! N'est-il pas honnête à une fille de s'exprimer si librement? Mais enfin, s'il m'était permis de voir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation. Et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont paru d'un si honnête homme que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs. Cependant, tu vois où la dureté de mon père est due toute cette tendresse. Oh, allez, laissez-moi faire. Quelques sujets que j'ai de me plaindre du goût du secret que vous m'avez fait. Je ne veux pas laisser desservir votre amour et pourvu que l'honneur n'y soit pas offensé. Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père? Et si l'inexorable n'avait plus? Oh, allez, encore un coup! Il ne faut pas se laisser mener comme un oiseau. On peut se libérer de la tyrannie d'un père. Que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas en âge d'être marié? Et croit-il que vous soyez de marbre? Oh, allez, encore un coup! Je veux servir votre amour. Et je prends dès à présent sur moi tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que je suis du tout! Je vois votre père. Entre et me laissez agir. Il est bon, quelquefois, de ne point faire semblant d'entendre les choses qu'on n'entend que trop bien. Et c'est étonnant de parer à la déclaration d'un désir que je n'étais pas résolu de contenter. N'a-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume qu'on a d'assujettir les pères? Rien de plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser des biens avec de grands travaux et d'élever une fille avec beaucoup de soins, de tendresse, pour se les dépouiller de l'un et de l'autre dans les mains d'un homme qui ne connaît de rien. Non, non, je me moque de cet usage et je veux garder mes biens et ma fille pour moi. Ah, malheur! Ah, disgrâce! Ah, pauvre Seigneur Scalarel! Où pourrais-je te rencontrer? Que dit-elle là? Ah, misérable père! Que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Tu sauras? Ah! Ma pauvre maîtresse! Je suis perdu! Lisette! Quelle infortune! Lisette! Quel accident! Lisette! Quelle fatalité!
que je me réjouirais peut-être. Non, je veux que vous vous réjouissiez auparavant, que vous chantiez, que vous dansiez. Sur quoi? Mais sur ma parole. Allons donc. La 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 la, que diable. Monsieur, votre fille est guérie. Monsieur, votre fille est guérie. Ma fille est guérie? Quoi? Je vous amène un médecin d'importance qui fait des cures merveilleuses et qui se voit. Où est-il? Je vais le faire entrer. Il faut voir si celui-ci parle plus que les autres. Ah, le voici. Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile. Monsieur, on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle. Ah, monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont les métiques, les saignées, les médecines et les lavements. Mais moi, je guéris par des sons, par des paroles, par des lettres, par des talismans, par des anneaux constellés. Que vous êtes-vous? Voilà un aigle. Monsieur, comme votre fille est là, tout habillée dans une chaise, je vais la faire passer ici. Oui, fais, fais. Votre fille est bien malade. Vous connaissez cela ici? Oui, oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Tenez une chaise. Allons, laissons-les là tous deux. Pourquoi je peux demeurer là? Vous moquez-vous? Un médecin a sans chose à demander qui n'est pas honnête qu'à nous entendre. Ah, madame, je serais heureux s'il était vrai. Madame, je serais heureux si... Le ravissement, je me trouve grand et que je ne sais pas par où commencer mon discours. Tant que je vous avais parlé que du regard, j'avais, ce me semblait, grand chose à vous dire. Mais maintenant que j'ai la possibilité de vous parler de la façon dont je le souhaitais, j'en demeure interdit. Et la joie où je suis, tout. Je puis vous dire la même chose, et je sens comme vous des mouvements de peur qui m'empêchent de pouvoir parler. Ah, madame, que je serais heureuse si vous sentiez tout ce que je sens, et qu'il me fait derrière les yeux de votre femme par la mienne. Est-ce que j'avoue à qui je dois me la penser de cette heureuse stratagème qui me fait jouer à votre présence? Si vous me devez la penser, maître de l'homme au monde en avoir trouvé la proposition avec beaucoup de joie. Il me semble qu'il lui parle de bien près. C'est qu'il observe sa physionomie et tous les traits de son visage. Madame, serez-vous constant dans ces bontés que vous me témoignez? Mais vous serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, mais je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous, et je vais le faire parler dans ce que vous m'allez voir. Eh bien, votre malade, elle me semble un peu plus tôt. C'est que j'ai déjà fait agir sur elle l'un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme l'esprit a grand empire sur le corps, et que c'est bien souvent de lui qu'il procède les maladies, ma coutume est de courir à guérir les esprits qu'avant de venir au corps. Puis donc, observez ses regards, les traits de son visage et les lignes de ses deux mains. Et par la science que le ciel m'a donnée, j'en ai conclu que c'était de l'esprit qui était malade, que tout son mal ne venait que d'une imagination déréglée, d'un désir dépravé de vouloir être marié. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie qu'on a de mariage. Voilà un grand médecin! Et j'ai eu et aurais trouvé toute ma vie une inversion effroyable! Voilà un grand homme! Mais comme il faut flatter l'imagination des malades, que j'ai vu en aide de l'animation d'esprit, qu'il était même du péril à ne pas lui donner un prompt de secours, je l'ai prise par son faible! Et je lui ai dit que j'étais venue ici pour vous la demander en mariage. Oui, là, je le veux bien. Soudain, son teint a changé. Son visage s'est éclairci, ses yeux se sont animés. Et si vous voulez pendant quelques jours l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est. Cela est le mieux du monde. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui arrive. Nous ferons agir sur elle ensuite d'autres remèdes qui la guériront entièrement de cette fantaisie. Je lui ai dit que je le voulais bien. Hélas, est-il possible? Oui. Mais tout de bon? Oui, tout de bon. Quoi, vous êtes dans les sentiments d'être mari? Et voilà, madame. Et mon père y consent? Oui, ma fille. Que je suis heureuse si cela est véritable. Ah, madame, dans tes points, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle de me voir votre mari. Si vous voulez plus honnêtement les choses comme elles sont, c'est un bien écart de prétexte inventé pour m'approcher de vous. Je veux dire ce que je souhaite. C'est me donner des marques d'un amour bien tendre et si sensible autant que je puisse.
savez où je vous donne. C'est un nouveau stylé qui guérit les égarements d'esprit. Faisons donc le contrat avant que rien n'y manque. Hein. Je vais faire monter l'homme qui crie me remettre et lui faire croire que c'est un notaire. Voilà, faites monter le notaire qu'ils aient avec moi. Quoi, vous avez amené un notaire? Eh oui, madame. J'en suis ravie. Et les joueurs,
très belle. Fort belle. Un beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chemin. Oh, c'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'as-tu pas fait de pluie? Non. Vous en est-il? Je viens de demander. Qu'avez-vous fait encore de ces neuf philosophies? Six chemises, je crois. Et c'est quoi la philosophie? Le monde, chère Alice, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins ont dit qu'un jeune homme inconnu en mon absence était dans la maison venue. Mais je n'ai point appris foi en ces méchantes langues. Et j'ai voulu gâcher que c'était faussement. Mon Dieu! Ne gâchez pas en faire de l'étonnement. Quoi? C'est la vérité, carrément. Chose sûre. Mais il n'a pas ce que vous voulez de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'il a fait avec sincérité me marque pour le moment son ingénuité. Mais il me semble, chère Agnès, si ma mémoire est bonne, vous avez défendu que vous vissiez faire ça! Oui! Mais. Quand je l'ai vu, je vous ignorais pourquoi, et vous en auriez fait sans doute plus que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante de divisser la croix. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je lui passais sous les arbres d'au frais, un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, m'a bloqué les bras sous son pied. Tout cela avait participé d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente. Je crains que le panda dans ses vœux téméraires un peu plus fort que je n'ai poussé les affaires. Savez-vous, tout grondé, ça me semble un petit. Est-ce mal fait ce que je vous ai dit? Non, non. Mais de ces vues, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il vient de son mal, c'est ce que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle classette et l'argent pendant une offre à l'incurgé, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme lui. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une âme profonde. Il me disait des mots à partir du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dans toutes les fois où je l'entends parler, la douceur, le chevron et la redent remis. Certains je ne sais quoi, donc je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur seul souffre tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne me faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Oh non! Il me prenait les mains et les bras. Oh. Il ne me les baissait, il n'était jamais là. Chère Agnès, est-ce qu'il ne vous aurait pas pris quelque autre chose? Oh. Hé, hey, il m'a... Quoi? Fait-il? Je n'osais vous pas, c'est peut-être pour ce moment. Non! Fait. Oh mon Dieu, non! J'irai dans votre poids! Bah, toi, soit! Il m'a pris, vous serez mon collègue. Non, 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 non! Diante, que le diable! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il. Oh, je souffre en damné! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Oh. Et après le diable, j'avais plus moins. Oh! Oh! Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait autre chose? Non, pas! Et pour le guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Mais vous pouvez juger si l'on me demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Le galant, le désir que de vous abuser. Et puis après, sans rien. Au point, il me l'a dit de 20 fois à moi. Ah, mais vous ne savez pas ce qu'est sa foi. Écoutez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les 100 mètres et dans des péchés mortels les plus gros qu'ils se fassent. Un péché, dites-vous, est la raison de grâce. La raison? La raison, il n'arrive prononcée que par ses actions. Le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'ils sont courroucés? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire qu'elle joue en porte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est beau, toutes ces caresses, ces gentils mots et ces douces tendresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et quand se mariant, le crime en soit douté. N'est-ce plus empêché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi ma compagnie, je vous prie! Pour vous marier, on me revoit ici. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Cela vous fait donc rire? Oui. Et bien pourquoi? Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui. Que vous me ferez l'air, qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là.
n'est pas mon compte et à choisir un mari, vous êtes un peu prompte. Offenes Fenster, präsentiert Schwarz am Balkon, Himmel erflattern wie Pest. Meine Rose fällt und war aus Pofferrohr, knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir ein, der Kante. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, l'une subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur. Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu. Que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Voici un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu, si vous le lirez bien. Journalier. Première maxime, celle
de qui il a. Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Mais pour la représente, il ne faut rien que lui. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Sous sa coiffe en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups. Car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime. Dans ses meubles, dut-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire entre papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Vous achèverez seul et pas tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenue d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Il est trop éloigné pour porter ce coup. Si jeune encore vous jouez de ces tours, votre simplicité qui semble sans pareil demande si l'on fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous de la nuit et poursuivre en galant vous évader sans bruit. Coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein, petit serpent que j'ai réchauffé en mon sein, et qui, dès qu'il se sent une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort en effet. Je ne vois point de mal dans tout ce que j'ai fait. Si c'est un galant, la base d'un soir en femme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, entre nous, il n'est plus seul pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait lui si rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse! Oui, je l'aime! Et vous avez le front de le dire à moi-même. Pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente? Hélas! Est-ce que j'en puis, mais lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Il est vrai que j'ai suivi d'en être réjoui. Vous ne me mettez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Hélas, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé,
de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Je n'en ai pas de si grande réponse. N'est-ce rien que les soins d'un même autre enfant? Que voulez-vous vous dire? Ah! Avant que
Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grand impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai mieux du haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez donc vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ quitter la partie. Non, non. C'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Voyez comme elle se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra très bientôt. Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporaires. Les attraits qui suivent soi de vos merveilles et étalent en vous ces fleurs de merveilles. Il a sur votre face penché ces beautés dont les cœurs sont durcis et les yeux transportés. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous devriez, ce me semble, armer mieux votre sang et raisonner un peu sur un pareil dessein. Une dévote comme vous est de partout un homme. Ah, mais pour être dévote, je n'en suis pas moins femme. Lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un
cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais qu'après le discours de moi par l'étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange.